Ça y est, il est arrivé. Avez-vous déjà eu comme idée de développer une gamme vegan pour votre entreprise ou un proche peut-être? En tout cas, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans ce livre écrit par un professionnel. Salut, c'est Joe de CJSJ et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble ce fameux livre Adapt écrit par Richard Hawke. Il est originaire de Sydney, il a voyagé jusqu'en France pour apprendre la pâtisserie avant même d'atteindre le niveau de prof à l'ENSPD Saint-Jean. Il a notamment travaillé dans des palaces à travers le monde et aujourd'hui il est consultant international pour diverses marques dans le monde de la pâtisserie. Et donc maintenant nous allons voir un peu plus en détail la composition de ce livre. Donc on a bien évidemment une très belle couverture, il est écrit en français et à la fois traduit en anglais, il contient à peu près une centaine de pages et il est notamment composé de trois grosses parties. Et donc à l'intérieur de ces grosses parties, on retrouve notamment celle de la technologie, celle qui est pour moi l'une des plus importantes, car elle permet de comprendre et d'expliquer chaque caractéristique de chaque ingrédient dont on a besoin au travers des produits sans lactose, gluten-free, vegan, et notamment les réactions qu'il pourrait y avoir sur notre corps. Au travers du livre, on aura une deuxième très grosse partie qui est celle des recettes, à savoir les biscuits, les shortbread, les gelées, les mousses, tout est déjà ajusté et optimal à l'utilisation. Au travers du livre de Richard Hawke, c'est qu'il a aussi pensé déjà pour nous lors de la recherche et de la lecture du livre, à savoir qu'en fonction de la recette dont on a besoin, il y a des petits logos qui vont vraiment vous aider à trouver ce que vous avez besoin de manière efficace. Et donc troisième et grosse partie de ce livre qui sont les célèbres recettes de Richard Hawke, que ce soit le Lady Caviar, le Tiramisu ou même le Anas Pavlova. Tout ceci est à retrouver donc dans le livre, mais à le rechercher au travers des recettes de base afin de reconstituer la recette en elle-même. Hey, je vais vous en montrer un peu, mais vous le dites pas, Richard. On voit bien là les logos. Macaron. Franchement, c'est propre. J'arrête. En conclusion, ce livre est clairement un must-have, absolument à avoir dans sa collection ou même à utiliser quotidiennement en production. C'est pour moi, et ça reste mon opinion totalement personnelle, je pense que ce livre est dédié uniquement aux professionnels de par les caractéristiques des ingrédients mais aussi la complexité de ces produits-là. Et dans ce livre, il n'y a absolument pas la place au doute, on ressent clairement la recherche et développement par Richard sur les recettes et notamment les ingrédients assez complexes. Ce que j'aime beaucoup aussi au travers du livre, c'est tous les petits conseils que Richard va distiller au travers des recettes ou des sous-recettes, notamment sous le nom de Adapt ou les Chef Tips. Mais je pense aussi et très clairement que c'est un futur best-seller pour la pâtisserie, ou du moins pour le monde de la pâtisserie en général, car ça va enfin permettre aux professionnels de pouvoir répondre à une attente de certains clients qui, eux, ne demandent que ça. J'espère sincèrement que ce nouveau format de vidéo vous aura plu et qu'à travers celle-ci, vous aurez découvert un peu plus le monde et les intentions de Richard Hawke. En tout cas, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve très vite